Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre incroyable aventure horrifique Resident Evil 8 Village avec l'épisode 2. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs, toujours plus sympa. Un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Montez-moi ça en tendance et un petit commentaire aussi pour que j'ai le plaisir de vous lire. J'ai chargé la partie, j'ai dû refaire le combat, c'est pour ça que le corps maintenant se trouve là-haut. Et j'ai utilisé une ou deux balles de plus, donc ça craint un petit peu. Alors, on est reparti, on va reprendre les fluides chimiques parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai chargé la partie. Alors, pour le coup, ça n'a pas été pris en compte, c'est bien dommage. Hop, on se fait un petit soin direct, voilà, on en était exactement ici, avec deux balles en moins. Ça me fait un petit peu chier pour être très franc avec vous. Mais c'est comme ça, j'aime le challenge. Et vous aimez aussi le challenge. Ça n'a rien fait. Ça n'a strictement aucun effet. Je ne suis pas aussi impressionnant que ce qu'on pourrait croire. On est parti. Marche arrière. Il n'y a pas... Le ref, il avait pas genre... voilà, regardez. Hé, un coup de boulon, c'est incroyable ça. Qu'est-ce qui va se passer là, dites donc? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas pourquoi je pensais à une voix, incroyable. Un coup de boulon, bon. Souvenez-vous qu'on pouvait crocheter un petit peu plus en retrait. On pouvait crocheter un truc, mais j'ai toujours rien pour crocheter. Et c'est pas avec un coup de boulon qu'on va ouvrir un tiroir. Enfin, concrètement, on peut, mais après le tiroir... Quoi? Le tiroir ne ressemble pas à grand-chose. Ah non, mais attendez, on n'est jamais venu ici, dites donc. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est un nouveau modèle. Bon, maintenant que j'ai un pistolet, on va pouvoir peut-être passer à la recherche de trésors. J'ai aussi un couteau, ça, c'est plutôt cool. À tout moment, je suis beaucoup plus menaçant. Par contre, j'avoue qu'on a eu couteau plus pistolet dès le début. Ça, c'est plutôt sympa. On va pas se plaindre. On a affronté une sorte de loup-garou. Ok. Bougez pas. Il y a quelque chose dedans. De toute évidence, on va devoir rentrer. Ok, c'est une radio. Rien, très bien. C'est une radio qui détecte évidemment quand on avance. Ah ! Quelqu'un là-haut ? Ok. J'ai juré, on va barricader. J'en ai rien à péter. Peut-être que je sortirai pas, mais personne ne rentrera au moins. Ok. C'est rien. Oh là. Putain, mon pétoir, il est claqué d'où? Peut-être pas une bonne idée de barricader maintenant qu'il y a un trou sur le toit. Ok, j'ai l'air de le toucher. Quoi? Ok. Rentre mon pote. Ouh, rentre par... Chacun un par un, les gars. Merde. J'ai juré un par un, les gars. Un peu de respect. Monsieur! Venez pas chez vous! Meurs, enculé! Loup-garou de merde! C'est pas vrai, et toi je vais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? La vie de ma mère, je vais te slash. Wouh! Ok? C'est rien, c'est rien, c'est rien, je connais. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Ah! Oh, ils ont des yeux, mon ref! Ok, je crois que je me suis protégé à temps. Ok, il est mort. Mais gros! Voilà, tu crois que je suis qui, moi, mon frère? Hé, hey, tu crois que je vais me faire victime comme ça ou quoi? J'ai connu la galère, mon ref!
Non, je suis pas mort. Non, je suis pas mort. Je refuse de mourir. Petite pause. Tout va bien se passer. Viens par ici. Viens par ici. T'as faim? Tu veux mon corps, mon ref? La tête, c'est un combat entre toi et moi, mon ref. Arrête! Tu veux te battre, c'est ça? Voilà. Hop. C'est bon, là? On s'est assez battu? Oh. Quelques petits pesetas. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis chaud, là. Ça y est. C'est fini. Non, l'autre, j'ai tiré beaucoup trop de balles sur l'autre, là. J'ai juré, je vais le saigner. Quoi? S'il y a le moindre survivant, oui, oui. Venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Ok. Survivant? J'arrive. Non, non, attends, l'autre, j'ai tiré beaucoup trop de balles. T'es où, mon ref? J'ai pas fini ce combat, là. J'ai enculé ton copain, là. T'es où, toi? Je veux en découdre! Je suis prêt, putain! Ok. C'est verrouillé de l'autre côté, ça me paraît, c'est logique, bordel. Il est où? T'es où, là? Oh, Garou! Viens par ici! Tu crois me mettre des coups de pression comme ça, moi? Ça, c'est déverrouillé très vite, ça. Voilà, ça, c'est le professionnalisme qui parle. On a une caisse, ici. Par contre, giga résistant, là, c'est quoi, ça? Garou? Garou, j'arrive. J'ai juré, t'es un homme mort, frérot. Tu m'as pris... pour ta chienne. Quoi? Okay. Encore un combat, les gars, mais pourquoi? Voilà. Okay. Ah ouais. Ah ouais. Dès le début du jeu, vous me donnez ça. J'ai juré rentrer maintenant, les gars. Vous êtes pas chez vous et je suis pas chez moi non plus. Recharge, ça va chier, mon pote. Ça va chier, début de carré. Ok, je peux interagir avec ça, c'est-à-dire que c'est plein de farine, nickel. Merci les gars, je vais aller. Ouais. Aïe! Allez, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi peut-être? Oh, oh! J'avais pas prévu ça. Il y en a de plus en plus. Oui, oui, oui. Ok. Viennent à l'infini, c'est con. Ok, bon, ne cédons pas à la panique. Hop, hop. Je suis un homme mort. Alors, on va mettre tout ça en haut, en bas plutôt. Ne cédons pas à la panique. C'est comme Resident Evil 4. Si vous savez bien gérer, c'est un peu un Tetris, hein. Mais bon, ils savent pas que j'ai joué à Tarkov pendant des années, putain. Donc, si vous savez bien gérer votre inventaire, eh ben, c'est cool. Ok. Ok, je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Oh, oh non, les gars, oh. Ok, ok. T'as voulu détrôner le duc? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Aïe! C'est un coup en traître! Je cours. Mais c'est pas possible, on n'a pas le temps de fouiller derrière, on avait rien à... C'est pas possible. Je vis en enfer. Non, mon rêve. Ah, arrêtez. Wesh, t'as quoi, toi? C'est pas homologué, ça. On n'a pas dit... Pas de... Mais pas dans le village. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais mourir. C'est ça, ma vie, les refs? Ouah! Ah! Non, c'est trop, c'est trop. Aïe! Mais je suis la pute!
Ah, c'est verrouillé. Mais pourquoi? Je comprends pas. Dégage-toi. Je t'ai jamais aimé, je t'aimerai jamais. Je comprends pas, je vais mourir. Je suis destiné à mourir comme une merde. Une porte. On n'y va pas. Mais on me dit... Allez, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Mais frérot, c'est... Ah, c'est pire que Resident Evil 4. J'ai juré venir. Enfin, venez, mais pas tous à la fois. Dégage. Mais... je vais mourir dans d'atroces coups. Je l'aurais mérité, je l'aurais mérité, je l'aurais mérité. Ok, je peux aller là-haut. Non mais les gars, je peux pas affronter ça. Putain, ça s'arrête jamais. Attendez, attendez. Bon, bienvenue en enfer. Je retire tout ce que j'ai dit, bordel de merde. C'est bien pire que Resident Evil 4 et l'arrivée au village. C'était quoi ce bordel? Un crâne cristallisé, merci à toi, ça fait plaisir. Oh, ah ouais, mais là, on va tout fouiller. Je vous le dis, on va tout fouiller, on va... Parce que là, c'est terrible, là. Qu'est-ce qui s'est passé, d'où Jésus? Ah. Incroyable, j'aurais pu économiser des balles, je pense. Hein. Mais bon, eh, pas de place au regret. C'est fini, on peut plus rentrer dedans. Si, si ils sont plus... Quoi? Oh non, ouvrez. Ok, bon. Là, là je peux vous le dire officiellement. J'ai eu la bouche pâteuse. Voilà, c'est dit. J'ai aucune honte. J'ai eu la bouche pâteuse. Ok. On va ouvrir ça. Merci. On va interagir. Évidemment, c'était évident, bordel. Bon. J'ai rien pour crocheter. J'ai rien pour... C'est terrible, je peux rien ouvrir. C'est très frustrant. On va retourner dans cette maison de merde, là. Je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai dû louper. On va pas tout de suite aller voir la sorcière. On a dit qu'on fouillerait tout bien et qu'on ferait les choses proprement. Chose qu'on va faire. Faut beaucoup lever la tête. S'il y a un truc qui clignote, c'est un trésor, d'accord? Et ils sont malins, ils cachent à des endroits un peu improbables. Si c'est comme la Resident Evil 4, par exemple, là, au-dessus des portes. Ils aimaient bien cacher ça. Près des lumières aussi, comme ça, on voyait pas trop quand ça brillait. Bon,
On va retomber ici. Eh, j'ai la bouche pâteuse, c'est terrible, hein. Ça m'a mis un coup, hein. Vous avez vu ce qu'on a vécu ou quoi? Oh! Ok, ça c'est fait, c'est fouillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il a littéralement démonté la maison. Ça, c'est la première maison. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des choses bien planquées ici. Le truc à crocheter me dérange. Je suis omnubilé par le truc à crocheter. J'aimerais voir un truc. J'aimerais checker un truc, d'accord? Ah non, ça a été fermé derrière. Bah oui. Ça me dérange beaucoup. Il y avait un truc accroché loin derrière. Accroché, pardon, loin derrière. Donc peut-être qu'on va retourner dans cette partie du village. Juste derrière ce portail rouge. Il y a moyen. On a quoi ici? Interagir. Que dalle. Je suis sûr que c'est des bails de save, non? Ok, bonjour madame. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame! Restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Rose est ici? Pas sympa, hein, elle communique pas beaucoup. Hein. Ça me dit quelque chose, ça, MDR? Ok, on va tout fouiller. Là, vraiment, on va faire le moindre recoin. J'en ai rien à péter. Je veux kiffer cette aventure. 3 ans d'attente. Heureusement, on a eu des Resident Evil quand même entre-temps à se mettre un petit peu sous la dent. Mais 3 ans d'attente, bordel. Ok, les gars, ça, c'est... Ça, je reconnais, c'est un culte de catégorie 8. Hein. Ok. Ah, on a quelque chose ici. Putain, mais c'est pas possible. On a rien pour crocheter, mais on est vraiment une merde du début à la fin. Chris, il aurait pu au moins filer un petit truc. Produits chimiques, on prend. J'ai déjà dit que j'aimais bien les produits chimiques. Et bon, là, il va y avoir un bail. Quoi, je ne sais pas. Ok, bon. De toute évidence, là, il n'y a rien. Alors, voir la carte. On a des bails un peu partout, on a un crochet, un truc à crocheter ici, donc c'est de là où on vient. Très bien, donc je suis pas trop perdu. Ok, le village est donc comme ça. Là, on a un cadenas. Mais attendez, mais qui dit cadenas dit que c'est bon mon bail, non? Ah non, c'était pas un cadenas, donc il faut une clé spéciale. Il y a encore pas mal de trucs qu'on n'a pas fouillé. À commencer par ça à gauche, là, je ne sais pas c'est quoi. On va tout débloquer pour que sur la carte ça soit clair. Et voilà, c'était évident. Est-ce que ça... Voilà, ça a bien éclairci la carte. Très bien. Bon. Bah, j'ai envie de vous dire... J'entends un corbeau. Peut-être que dans... Comme dans Resident Evil 4... Ah, la fin justifie les moyens. Il y a un bail avec les corbeaux. Je suis un putain de génie, les gars. Je suis un putain de génie. Et ouais, 240, donc... Pas encore. Oh, il y avait 2 corbeaux. On a quelque chose là-dedans, une pièce. Une pièce d'un puzzle. Regardez-moi cette petite plante. Désolé, hein, il m'en voudra pas, il est déjà mort de toute façon. Ok, château. J'imagine que ça mène au château. Ethan, tout de même. Soyons raisonnables. Ok. Là, on a quelque chose. C'est ouvrable, c'est pénétrable, je dirais même. Là, on a un puits qui nécessite un mécanisme. Très bien. Oui, je vous décris tout ce que vous voyez. Et alors? Quelqu'un veut dire quelque chose? Beaucoup de plantes.
C'est vraiment du Resident Evil 4, hein. C'est incroyable. Moi, ça me fait plaisir, hein. J'ai tellement aimé ce jeu. On a quoi? Oh! J'ai une pièce. Mais attends, mais c'est donné, ça. Oh! Incroyable! On a les machines à écrire aussi de retour. Alors, donc, church, église, et la maison de Louisa, c'est pour l'autre pièce. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Louisa. Merci à toi. Et il n'y a rien derrière. Bon, bah, on a eu une des deux pièces assez facilement, n'ayons pas peur des termes. On va direct la mettre en place et on pourra accéder au château, n'est-ce pas? Donc jusqu'ici, en fait, j'ai envie de vous dire... Oh, jusqu'au château, on connaît. Attends, quoi? Je suis sorti par où, là, les refs? Oh là. T'es de ma gueule. Donc jusqu'ici, on connaît. On va la mettre en place, comme ça. Peut-être que ça évite de le porter sur soi. C'est pas bien grave, ça mange pas de pain, comme disait... Gérard Depardieu, évidemment, on l'embrasse. On sait qu'il adore mes vidéos. Ok. C'est bon! J'ai fait mon petit truc, je suis très content. Il existe deux possibilités d'aller dans le champ. On va passer par ici, ça peut-être que... Eh, ça j'ai envie, hein. Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruira subira la colère de Mère Miranda. J'ai tellement envie. J'aurais dû essayer dans la démo. Il y a forcément une sorte de... Oh, regardez. Regardez. Alors, hein? Fragment de cristal. Ça, c'est fait, mon ref. Eh ouais, ça brille en tout petit. Et des fois, c'est genre en haut des clochers. Et après, ça tombe tout en bas. C'est incroyable. C'est verrouillé. On va tout fouiller ici, hein, si ça vous gêne pas. Donc voilà, faut lever la tête, baisser la tête. Faut tout faire. Faut tout faire ici. Je suis tellement content de retrouver ce système de trésors et de vendeurs. Qu'est-ce qu'on a là? C'est fermé. Attendez, bah dites donc, on m'a menti. Voilà, la ferraille. Mais si, on m'a menti. En fait, c'est bouché ici. On peut passer que par l'église. Bon! Allons-y. Revivons ce que nous avons déjà vécu. Et puis au moins, on aura ouvert les portes de ce château. Bah, on va aller jusque là aussi, d'accord? Sur un malentendu, on va peut-être s'entendre. Ok, toujours pas. Je regarde parce qu'ils aiment bien aussi, genre, dans ces petits trucs-là, vous voyez? Eh ouais, mais moi, je fais en beaucoup en fonction de... Une cage? Sérieux? C'est dingue! On va ouvrir l'œil. C'est incroyable! Mais ça me fait rêver, je te le dis! En plus, ils ont metté des fois dans les armes. Quel enfer, hein. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ok. Alors, une maison ici. Je m'étais fait démonter la gueule, hein. Je pense qu'on peut le dire. Quand tu sais que tu peux fermer ici. Ouais. Ok, quand tu sais que... Voilà, hein, t'as compris. Une mine. Alors. J'ai juré, venez. Venez. Tu veux faire le fou? Venez. Encore un truc. De la ferraille. Cartouche. Un mur. Plus
Putain, ils veulent pas venir. Mon plan pour l'instant est un échec total. Viens! Ok, tu sais qui je suis, moi! Ouais? Prends-moi ta grande gueule! Bon, allez, maintenant, on court. Ah! Ah! Je commence à faire des cris que je ne faisais jamais avant! Fermez la porte! Vite! Quoi ici? Approche pas. Pitié, ne vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Bon. On a déjà vécu ça. Ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des petits trésors ici? Tiens, hey, on va la raqueter de toute façon, on sait ce qui va se passer. Hein. On sait ce qui va se passer, madame. Bah, vous allez mourir dans la grosse souffrance. Il n'y a pas un petit truc qui clignote? Tiens, regardez. Ça, c'est bon, ça. Ça, on prend ça, mon pote. Ok. Ça, on prend ça, mon pote. Beaucoup de balles de pistolet, pour le coup. Plutôt sympa. Et la bienvenue aussi. Là, on avait quoi, là? C'était fermé, ça, non? De... Ah non, pas du tout. Ok, pas souvenir qu'il y avait ça. Déjà pas de souvenir, alors que j'y ai joué il y a que quelques jours, mais... Ok, on va attendre un petit peu. Bon, et ça, je suis désolé. Ah non, putain, c'est de l'autre partie. J'allais dire, si c'était la chèvre, j'allais tenter le move. Je vous le dis, j'allais tenter le move. Y a rien là qui clignote? Attendez. Ok. On est bon. Allez, go. Let's go! Venez! C'est ouvert! Vite! Vite! T'en as mis du temps! Ouais, c'est ça, de rien! Là. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé! Vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond! Papa! Il faut qu'on entre! Hé oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Liliane, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance... Alors, moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Bon... On peut sauvegarder, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh, mine de rien, regardez. Eh, presque une heure de jeu. Incroyable, ça fait très plaisir. On va lire ça, Louisa!
une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné ? On en a déjà lu, mais là, cette fois-ci, on est dans le jeu final, donc on relit encore une fois. Fait toujours plaisir. Bon. Et ça, ça c'est bizarre, ça. Hein. Parce que, en fait, voyez ces photos-là ? Je suis sûr, il y a un trésor sur chaque photo. Parce qu'il y a des photos qui n'ont aucun sens. Quoique, c'est les monuments de leur village de mort, là. Moulin et tout, là. Ok. Très bien. On va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là parce qu'on sait ce qui se passe après. Ça peut être long, ça peut nous emmener loin. Mais peut-être que vous aurez cette vidéo le même jour, évidemment, que l'épisode 1. Ça dépend si vous avez été sage dans l'épisode 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. À demain, au minimum. Bisous tout le monde, ciao ciao.